Anthony, 50 services et Sergio, 15. Ces deux employés travaillent sur le site de Lardy comme agents de nettoyage. Ils ne sont pas directement employés chez Renault, mais chez un prestataire PEI. Aujourd'hui, l'entreprise souhaite les muter à Vélizy. Pour Sergio, qui vient d'acheter une maison à Lardy, le vrai motif de cette mutation reste caché. On est des anciens délégués syndicaux, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus de mandat, mais aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'ils veulent nous faire payer tous les droits qu'on a eus, tout ce qu'on a fait pour les ouvriers, et puis voilà quoi. L'entreprise PEI justifierait cette mutation par une réorganisation de l'entreprise employeur, soit Renault. Les syndicats du groupe Alardi ont interpellé la direction pour savoir ce qu'il en était. La réponse a été claire. La position de la direction Renault, c'est non, il n'y a pas de modification de réorganisation chez Renault, il n'y a pas de changement de contrat sur le nettoyage, et donc, selon Renault, il n'y aurait pas de conséquences qui justifieraient une mutation de deux salariés à l'extérieur. En grève depuis jeudi après-midi, une vingtaine d'agents soutiennent le mouvement d'Anthony et Sergio. Du côté de la direction de Renault, les syndicats n'ont rien obtenu. L'entreprise préfère ne pas s'immiscer dans les affaires d'une autre entreprise.